Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'explorer un lieu de crash d'OVNI. Alors j'avais fait cette vidéo précédemment, mais je me suis trompé parce qu'en fait, maintenant pour explorer un lieu de crash, il faut réaliser un parcours d'obstacles en fait, hein, entre guillemets, c'est une course contre la montre. Alors regardez, moi je vais vous présenter cette course contre la montre donc, qui se trouve près de Misty Midland, donc juste ici sur le gameplay. Voilà, il y a 5 autres courses que vous pouvez faire, il y en a une qui se trouve plus ou moins par ici. C'est un autre site de crash d'OVNI près de Dirty Docks. Il y en a un autre qui se trouve plus ou moins par ici à côté de Pleasant Park, voilà. Il y en a un autre qui se trouve en dessous de Bellevue Beach, donc juste ici logiquement. Et il y en a un dernier qui se trouve à côté de Weeping Woods, donc juste ici plus ou moins. Donc là, si vous vous rendez à l'endroit exact que je vous ai montré sur le gameplay, donc avec mes petits pings, vous trouverez un chrono comme ceci. Et il faudra examiner, donc il faudra appuyer sur carré pour l'examiner. Et ensuite, vous allez devoir rejoindre des points. Donc là, je vais vous laisser le gameplay où justement, je récolte tous les points de chrono pour terminer le défi. Donc c'est pas très compliqué, hein. Il suffit juste de suivre le même chemin que je vous montre dans le gameplay. Normalement vous avez largement le temps, même si vous vous trompez, vous avez largement le temps de récupérer tous les points. Donc là il y en a un qui se trouve juste en haut, voilà, hop. Alors ensuite le prochain, vous continuez, hein, le chemin rapide comme je suis en train de le faire. Donc là vous sortez du chemin rapide, vous prenez celui-là, ensuite vous descendez, voilà, vous prenez ce point-là, vous vous servez du jump pour retourner dans le portail là, un déplacement rapide. Donc là apparemment il y en a un juste en dessous de moi, non? Si, il y en a un juste en dessous de moi j'ai l'impression. C'est pas grave, on va pas prendre celui-là en premier. En fait, non, il n'y en a peut-être pas en dessous de moi, c'est peut-être un flash. On va prendre celui-là. Ensuite, on va prendre celui-là. Hop, avec le pad, voilà. Ensuite, il y en a un sur la colline. Et effectivement, il y en avait bien un là que j'ai oublié. Donc, je ne sais pas trop où est-ce qu'il est. À mon avis, il doit être en dessous. Ah, il est là, il est là. Il est juste en dessous. Voilà, il fallait pas le louper celui-là. Vous avez vu, hein, j'ai large le temps, il me restait encore quelques secondes, voire une dizaine de secondes, voire même 15 secondes pour réaliser, pour aller chercher le dernier point et réaliser le défi. Donc c'est pas très compliqué, il faut juste bien repérer les points. C'est pour ça que je vous ai laissé l'entièreté du gameplay. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulo Mike et ciao. Peace. Make bruh.